salut à toutes et à tous, c'est Kitaro et aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 14 de Ratchet & Clank. Et on va continuer. Tout simplement. Très bien, Ranger. Je crois avoir trouvé un plan pour détruire le déplanétiseur définitivement. En énergisant l'holo déguiseur que Ratchet et Clank ont eu chez Gadgetron, ils vont pouvoir incarner le Capitaine Quark pendant un court instant. Grâce à ce déguisement, ils devraient pouvoir franchir les boucliers du déplanétiseur. Bonjour, citoyen. Puis-je utiliser votre salle de muscu? Allez-y, capitaine. De là, ils devront accéder à la salle du broyeur d'étoiles du déplanétiseur. Le déplanétiseur utilise un stabilisateur de gravité pour se placer au-dessus de ses cibles. En extrayant le stabilisateur, le déplanétiseur s'éloignera de sa cible et deviendra vulnérable à nos attaques. Quand Ratchet et Clank donneront le signal, nous activerons nos nouveaux turbo-aimants, retournerons le déplanétiseur et sauverons la galaxie. Bien reçu, Hélaris. On est en chemin. Choisissons une planète. Alors, retourner pour inspecter les lieux. Eh bien, on va aller là-dessus. On va continuer la suite. Vous venez de louper une scène qui est tellement drôle. Le mec, là, l'espèce de petit truc, là, vient de se faire transformer en mouton par le professeur Quartz. Et c'est juste énorme. Bon, bref, ça sent un peu la fin, quand même. Ça sent un petit peu la fin. Je sais pas. Quand on verra bien, ça se trouve peut-être que non, c'est pas la fin. Comme j'avais dit la dernière fois, j'ai dit, ah, c'est la fin, et finalement, non. Enfin, en tout cas, il aura été assez court, mais vraiment excellent comme jeu. Moi, j'ai pris vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Alors, attendez, y a pas des trucs à aller voir là-haut, là ? Non, pas grand-chose. Bon, ok, bah, on va retourner, on va aller par là, hein. À savoir que, à mon avis, Biscott le fera peut-être dans Let's Play sur sa chaîne et lui vous le fera à 100%. Parce que lui fait. Comme ça, la licence de jeu préféré, il le fait à 100%. Je devrais essayer l'holo déguiseur avant de continuer. Oui, y'a pas de soucis, mais attends, avant toute chose, tu me laisses récupérer de la tunasse. Ah, là, je vais peut-être pouvoir. Ah, je vais pouvoir m'acheter une autre arme. Essayer l'holo déguiseur avant de continuer. Le moutonator, c'est parti. Je le prends. Et améliorer l'arme. Voilà, c'est bon. Peut-être le dernier moutonator, je sais plus. Alors attends. Il est où le l'holo déguiseur? C'est. Essayer l'holo déguiseur avant de continuer. Pectoraux saillants détectés. À l'attention de l'équipage du déplanétiseur. Si vous voyez qui que ce soit qui n'a rien à faire là, merci d'appuyer sur le bouton tuer les intrus. C'est le gros bouton rouge, celui qui ressemble à tous les autres. Il faudra qu'on fasse un effort pour le prochain déplanétiseur. Prépare-toi à être désintégré. Ah mais attends. Ah d'accord, ouais, donc il va falloir faire super attention. D'accord, donc en fait, si tu veux passer sur les machins comme ça, faut que tu utilises quoi. Vive le président, Drake! C'est un bombe, capitaine. Bon, à mon avis, y a pas grand chose à faire là. Identification positive. Bienvenue, capitaine. Ah. Alors, en fait, quoi, tu peux tous les passer, quoi. Tu peux tous les gruger, quoi. LOL. Allez, les gars. Belle journée pour détruire une planète, pas vrai? C'est un bombe, capitaine. Ah, merde. Ah putain, ouais, donc il fallait que je le tue avant là. Ok. Ok, d'accord, je vois. Identification positive. Bienvenue, capitaine.
D'accord, j'ai compris. On s'amuse bien plus du côté des méchants, vous savez. Comment allez-vous? Et les autres, par contre, avant qu'ils utilisent leur machin, faut les tuer. Bonjour, Capitaine Quark. Vous avez l'air très héroïque. Oh, je suis là. Bonjour. Non, putain, c'est pas ça que je... Voilà, ça c'est fait. Bon, ça, on y est tout arrivé. Mais ouais, c'est cool, ça, ce côté un petit peu infiltration, c'est sympa. T'as un truc à faire, là, non? Ah putain, ouais, mais là comment je fais? Ah, mais peut-être que... Ah, mais faut peut-être que je suis fasse signe avant, peut-être. Bonjour, Capitaine Quark. Vous avez l'air très héroïque. Pas ça. Vous avez l'air radieux aujourd'hui. Bonjour, Capitaine Quark. Ah putain, ouais, là j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire le débile. Ah, j'ai fait le débile. Mais c'est tellement tentant aussi. Là, faut attendre qu'il se tourne. Vous avez l'air radieux aujourd'hui. Salutations. Ah, tout, c'est pas qu'il utilise le bouton. Hein. Voilà, tu vois, c'est déjà qu'il utilise pas le bouton, hein, comme ça on est tranquille. La porte est verrouillée. Nous devons trouver un autre accès. Alors attends, on va essayer de récupérer un peu de thunas, c'est quand même pas mal. Mais c'est bien foutu cette idée là, un peu de... Cette idée un petit peu de... Comment on appelle ça là? D'infiltration, ça j'aime bien. Je sais pas si ça a été la même dans la version... D'accord, il y a un petit peu de plateforme. Ah, attention. Alors, et repérer, voilà, mais du moment qu'il ne touche pas, qu'il n'utilise pas le bouton, ça va. On peut se permettre. Bonjour, Capitaine Quark. Vous avez l'air très héroïque.
Mais bon, on les a eus. C'est bon, on les a eus. C'est bon. Ouh, c'est stressant quand même comme passage. C'est assez stressant, j'ai envie. Je l'avoue quand même, c'est un petit peu stressant quoi. Je suis pas fan des niveaux un peu d'infiltration. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup ça. Mais bon, après, c'est, ça ajoute un petit côté cool. J'aime bien. Enfin, j'aime bien sans vraiment aimer. C'est bizarre. Mon avis là. C'est qu'à mon avis, quand on va monter, ils vont tous être là. Peut-être pas. Ok. J'aurais pensé que le jeu aurait été très sadique et genre, tu sais, tu montes et puis d'un seul coup, si tu te mets pas en Captain Quark, et ben tu te fais repérer. Alors, il est où celui qui faut. Ah, il est là le truc. C'est pas grave ça, regarde, on va utiliser celui-là. Et on va utiliser lequel? On va utiliser le fusil à bombe. Pas qu'il s'approche du bouton en fait. On a eu tous les robots. C'est allez, bon, on les a eu. Ne restons pas là. Ouais, c'est pas hyper compliqué en fait. Allez, un peu de vie. C'est pas hyper compliqué. On est à combien? 14 minutes? 14 minutes, mais je sais bien. Alors, avant d'ouvrir, on va récupérer un peu des sous. Agent. Identification positive. Bienvenue, capitaine. On va faire gaffe là, parce que l'autre, il. Voilà. Le tank qui se retourne. Attends qu'il se retourne. Et retourne-toi, toi. Oh putain, merde. D'accord, ok, bon, mais lol, hein, pourtant j'ai sauté. Hein. Sectoraux saillants détectés. On va y aller petit à petit parce que sinon on va se presser et ça va pas le faire. Non, en tout cas c'est un bon jeu. Non, c'est un très bon jeu. Moi j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Ah. Donc là, comment je touche? Comment je peux faire? Non, mais je passe pas. Ah d'accord, ok. Attends, ça tourne. Ou alors y aller tout doucement. Un jeu de patience.
Ça se fait. Ok, là je récupère un peu de tout pour améliorer les armes. C'est un jeu de patience. Tu veux avoir l'arme la plus cool de tous les temps. Alors, c'était lequel que j'avais inventé? C'était le lance-rapace, c'est ça. Voilà, ça c'est fait. Bonjour, capitaine Quark. Vous avez l'air très héroïque. Là, ils sont là-bas. Il est là-bas, on est là-bas. Nous avons été repérés. Vous savez, tant. C'est le but. Alors encore des robots de guerre. Il faut qu'on les empêche d'activer le champ de désinfection. Pas que tu meurs. Tac. Ça c'est les petits chiens, ça va, ils sont pas chiants à battre. Les autres, non? Ah voilà. Voilà, faut les niquer. Là. On va un autre côté. Monter. C'est bon, on a réussi. On a réussi, c'était pas... Oh, ça va, ça allait. J'ai eu pire, en fait, en vrai, quand même, en mission, j'ai eu pire. En termes de mission, j'ai quand même eu largement pire. Là, ça va, franchement, c'est pas trop trop mal démerdé. Je demanderai à la biscotte, quand même, au cas où. Il y a peut-être un terminal de crocheteur dans le coin. Bon, après, au terminal de crocheteur de merde, là, je vais dire tout de suite. Ce terminal de crocheteur indique la position du stabilisateur de gravité. Piratage automatique. C'est bon. On dirait que le stabilisateur se trouve dans le noyau du vaisseau. Attention, usage non autorisé d'un holodéguiseur. Oh oh, on dirait que l'holodéguiseur ne fonctionne plus. Ouais, donc ça veut dire que maintenant... Ah, c'est pas... Bon ça, attention, ils n'utiliseront pas leur putain de truc à la con là, donc c'est bien. Ça, j'ai réussi à les avoir. Bon ça, ah putain mais... J'ai besoin de nanotech. Et ouais, mais alors là, c'est... ouais, mais ça va trop vite. Ah, je vais crever. Non, mais je peux les taper en fait. Maintenant, je m'en fous pas les couilles. Ah, putain, je suis mort. Ouais, mais là, je peux les taper, c'est pas grave. Ils exploseront, mais c'est pas grave. C'est pas un souci. Se dirige vers le stabilisateur de gravité. Bon, ils vont revenir, non? Soyez prudents, les gars, et bonne chance.
Ah, mais regardez ce qu'il y avait là-bas, je suis con, hein. Et je vais vraiment aller chercher Miguel à 14h, ça, hein. On va se récupérer quelques mines par contre, parce que là je sens que j'ai manqué de munitions. Ça, ça serait fait, on aura ce qu'il faut en munitions. Ce sera pas mal! Ça c'est efficace ça, par contre. Vous voyez quand elle va être à fond cette arme. Ah. Alors eux ils sont chiants. Hein. On chie les clips ça. Il y en a là. Voilà. C'est ça, on les a eu. Il y en a un autre. C'est bon, on les a eu, ça va. Il y a les munitions que je vois là-bas. Ça c'est fait. On va utiliser le pixelisateur. Ah, la musique est épique par en arrière. Faut que j'aille où maintenant? Ah, c'est fermé. Je vois pas où c'est que faut j'aille. C'est l'évisateur. C'est par là que les gars. Bon, là où il y a des ennemis, c'est que c'est bon. Quand je récupère la fumée, là j'ai toutes les armes. Donc en V. Ça. Non, c'est pas ça que je. Celui-là là. C'était. Là, c'est bon, on essaie le matin de guerre.
Attends, on va récupérer un peu de vie, on va récupérer un petit peu de thunes. Pas question d'abandonner maintenant, on va les avoir. Ce qui est bien, c'est que le Vat en guerre, il vise d'un coup en fait, ça c'est bien ça. Ah, si, si, ah. Alors là, vous crevez là. Ah, il y a un peu de vie, il y a un peu de munitions, ça c'est bien. Ouais, j'ai failli crever comme un débile. Le génocide quoi. Le génocide quoi. Oh putain comment on fait mal. Ah attends, je vais voir si j'ai pas. Si là-bas là, il y a un truc là-bas. Ah, mais peut-être que j'y peux pas y avoir accès pour le moment, faut que je fasse ça alors. Ok. Le génocide! À tout le personnel. Non, on va utiliser la tanière. Thorvon Ion a été érigé dans le placard à balai du pont numéro 7. Parce qu'on en a à foutre. Hommage à cet employé respecté. 5 boulons à la porte. Oh ça, putain, le Vatanguard, vraiment, c'est tellement efficace. Le Vatanguard est tellement efficace, en fait, c'est abusé. C'est trop abusé. Ah, putain, mais mon copain. Putain, mais lui, il faut... Ah, d'autres mines. Il faut d'autres munitions pour lui. J'ai pas assez, ouais, j'ai pas de matériel à faire, fait chier. J'ai celui-là, ça sera pas bon. On va utiliser ça, puis. Voilà. Alors, on va essayer de récupérer déjà un peu de vie et des munitions. Il y a les autres là-haut là. Ah. Alors là, alors là, alors là, alors là. Ouais mais alors, avant tu vas me laisser peut-être le temps de récupérer un peu d'argent. Quoique bon, le fric maintenant, j'en ai plus besoin. Merci pour ton soutien, Brax. Récupérer quelques munitions et ça serait pas mal, non? Hein? Et en plus, on arrive à 30 et quelques minutes, je pense qu'on va pas tarder à se laisser. Mais je pense qu'à mon avis, c'est sous-là. Mais vous savez quoi? Je vais pas me faire chier, je vais tourner l'épisode 15 là, derrière. Je vais tourner la suite de l'épisode. On va se laisser là pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, c'était Kitao et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye tout le monde!